Cela fait plusieurs mois que nous avons dénoncé l'immoralité d'Edgar Nguesso. Certains d'entre vous ont crié à une fake news. Maintenant que sa propre nièce, qui vit ici en France, vient de confirmer les faits dans une vidéo choquante et révélatrice des pratiques incestueuses de son oncle, à quoi doit-on s'attendre? Edgar Nguesso est pris au piège de sa propre bestialité, de ses pulsions et de sa turpitude. D'ailleurs, l'ambassadeur du Congo en Italie était consterné des faits de viol avérés de sa fille par Edgar Nguesso, une affaire qui a été étouffée par le dictateur Denis Sassou Nguesso. Si la nièce d'Edgar Nguesso a pu témoigner, c'est parce qu'elle est soutenue par une partie de sa famille qui a littéralement vomi le principal accusé. Pas seulement, une partie de leur famille souhaite également qu'il soit limogé de la présidence. Une information qui nous a été confirmée hors caméra par sa propre nièce qui vit ici à Paris. Edgar Nguesso sait que ses heures sont comptées. Qui veut la tête d'Edgar Nguesso au sein du régime? Dominique Okemba? Je ne saurais vous le dire. Christelle Sassou Nguesso? Peut-être. Nous savons que les deux personnages ne s'entendent pas. L'un est opposé à l'autre. Edgar Nguesso est contre une succession de pouvoirs de gré à gré. Une affaire qui divise. Edgar Nguesso partira ou ne partira pas? L'oncle incestueux. Les personnes qui veulent suivre le témoignage vidéo de sa nièce en intégralité, le lien se trouve dans la barre de description. Au revoir.